Lors cette conférence presse, le parquet notamment confirme que le conducteur, en l'occurrence Paolo Falzone, s'est filmé au moment des faits et roulait à plus 150 km/h sérium qui a été confirmé par l'intéressé, déclaré Damien Verheyen, substitut du procureur de la République. Il a légèrement dépassé le taux d'alcoolémie autorisé mais, contrairement à sérium qui a circulé dans la presse depuis le drame, aucune capsule de protoxyde d'azote en a été retrouvée dans l'habitat du véhicule. Outre les nombreuses auditions réalisées, une expertise de conduite, une analyse approfondie téléphone portable conducteur, tests de luminescence des faits véhicules ont été réalisés ainsi que l'extraction et l'analyse composantes électroniques véhicules par le constructeur. Cette dernière analyse est toujours en cours et vise à comparer les informations recueillies dans quatre différentes missions exercées afin de déterminer plus précisément possible déroulement des événements, à savoir la trajectoire des véhicules, la vitesse, comportement conducteur, accelerations, decelerations, freinages. Une reconstruction extraordinaire la registrische d'un moment particulier du drama a eu lieu sérium jeudi en présence de Paolo Falzone et Antonio Falzone, son passager et avec le véhicule accident. Sérium moment précis est celle au Fred de Andrea a été hurt par le véhicule et les événements qui ont conduit à sa mort. Un figurant portait même un costume hiel par souci de véracité. Les résultats et conclusions de cette registrische sont couverts par le secret de l'instruction. Son but était visualiser faits tels que décrits par accuses, victimes et témoins dans le cadre de leurs auditions et, le cas échant, pouvoir comparer versions et constater leur conformité ou contradiction avec éléments matériels. On SIT les versions des deux protagonistes principaux différentes notamment sur le fait que le passager dormait au moment du choc, sérium conducteur ni. Concernant les suites judiciaires, il est trop tété pour que le parquet s'engage sur un calendrier ou un calendrier. La qualification des faits reste provisoire à sérium stade et est susceptible d'évoluer à toutes les étapes de la procédure, conclut Damien Verheyen.